15 jours. Les dernières statistiques sur l'enfance en danger. Les cas de maltraitance sont stables, voire en légère baisse, mais les signalements sont en hausse. Rappelons qu'un enfant est signalé comme étant en danger lorsque les services sociaux estiment que ses parents ne remplissent plus leur rôle. L'Observatoire de l'action sociale qui fait ce constat attire notamment l'attention sur les risques liés à Internet. Explication Julia Delage, Sylvain Gauthier. Bianca vient d'avoir 17 ans. Le soir après les cours, pas de télé ni de téléphone avec ses copines, elle préfère le chat, comprenez les forums de discussion sur Internet. Elle s'y fait de nouveaux amis, mais parfois, ses interlocuteurs ont des propos pour le moins déplacés face à une si jeune fille. Une fois, je suis allée sur le site de 15-18 ans, enfin c'est des tranches d'âge hein, dans les chats, et je suis tombée sur un homme qui avait 25 ans et qui commençait à me faire des avances sexuelles, c'est-à-dire est-ce que t'as une webcam, j'aimerais bien te voir si t'es bonne, c'est ce que c'est qu'une fellation, tu peux pas me faire une pipe, ou... enfin des genres de choses. Et c'est vrai que c'est arrivé, ça arrive très très vite. En effet, nous avons nous-mêmes tenté l'expérience. Un pseudo, une salle réservée normalement aux 10-14 ans. Et en quelques clics, quelques secondes, des dialogues de plus en plus crus, des propositions sexuelles explicites. Le phénomène est difficile à chiffrer, mais selon une étude européenne, sur Internet, un enfant sur trois est approché sexuellement. Alors pour prévenir et sensibiliser parents et enfants, l'association Innocence en danger lance aujourd'hui une campagne d'information et un logiciel de contrôle parental. Il ne faut pas laisser seul son enfant, il faut regarder ce qu'il fait. Dans sa propre, pour sa propre sécurité, pour la sécurité de toute la famille. Donc oui, c'est un contrôle, le mot paraît négatif, mais ce qu'il y a derrière le mot et derrière le projet est positif. Les pouvoirs publics, conscients du danger, ont déjà formé plusieurs brigades pour traquer les maniaques de la toile. En bref,